Bonjour à chacun, content de vous voir ce matin. On a l'impression de nouveau d'être un peu dans une situation de siège, assailli de toutes parts. Mais n'oublions pas que dans la forteresse, le Seigneur est avec nous. Et il nous garde chacun et il ne permettrait pas qu'advienne dans notre vie quelque chose qu'il n'a pas approuvé. Je sais que c'est difficile parfois d'accepter les choses qu'il approuve. Mais il a choisi pour nous le chemin et il nous conduit et il va nous accompagner. Et il nous amènera à bon port, car j'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est celui qui l'accomplira jusqu'au jour où nous le rencontrerons. On a eu cette semaine une bonne nouvelle, puisque un petit Onésime nous est né, à Emma et Vali Droumas. On est très contents pour eux avec la naissance de ce magnifique petit garçon. J'ai pu voir une photo, mais je ne peux pas vous la transmettre parce que vous savez que dans ces temps, les réseaux sociaux doivent être protégés. Mais on aura l'opportunité de le rencontrer bientôt. Il est né avec une quinzaine de jours d'avance, mais déjà 3,2 kg, 50 cm. La maman était contente qu'il soit venu un peu à l'avance. Tous les deux sont bien heureux, Eliezer aussi, d'avoir son petit frère. Et donc, on est content et on remercie le Seigneur pour eux. Prions aussi que le Seigneur guide, les protège durant ces premiers jours de vie pour Onésime. Continuons à prier pour nos autres futures mamans. On les voit parfois sur l'estrade. Et c'est bien, moi je suis impressionné aussi qu'elles veuillent continuer leur ministère. Elles ne se mettent pas simplement en repos, mais c'est bien de voir qu'il y a cette passion du ministère aussi dans ces futures mamans. Continuons à prier pour elles. Continuons à prier pour David. J'ai eu l'opportunité de le voir fin de semaine. Il va bien. On a pu bouger les fils, mais il a devant lui une très longue convalescence, semble-t-il, quelque chose comme 2 mois. Et donc, si vous connaissez un peu le caractère impétueux de David, c'est compliqué pour lui de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir faire. Prions que le Seigneur lui donne la patience nécessaire durant ce temps de convalescence. Les prochaines semaines vont être un petit peu chargées. On l'espère en tout cas, on continue à ausculter à chaque fois que nous avons des directives pour voir. On reçoit et on va recevoir les toutes nouvelles directives. Il est probable que ça va faire quelques changements pour la tasse de café après. On essaye de garder l'harmonie, garder l'unité de l'Église en respectant les règles que le gouvernement nous donne. Mais prioritaire pour nous est de garder l'unité de notre Église et l'esprit d'accueil que nous voulons voir régner parmi nous. Mais donc attendez-vous quand même à entendre ici, « Ah, ben, maintenant on va faire comme ceci, on va faire comme cela. » Et veillons aussi chacun d'entre nous à garder l'harmonie de notre Église, même dans ces temps conflictuels. Nous aurons donc dans les semaines prochaines, la semaine prochaine, on aura une présentation. Ce sera la présentation de la petite Lucie Lantin, et donc on se réjouit pour cela. Une semaine plus tard, nous aurons une visite de missionnaires le matin. Ils partageront un témoignage avec nous sur des projets missionnaires qu'ils ont. Et donc, je me réjouis, moi, de les entendre. J'ai vu une petite vidéo, je me suis dit, ça va être intéressant. Donc, ça, ce sera pour le 12. Et puis, l'après-midi du 12, vous avez normalement les membres déjà reçu votre convocation par divers moyens électroniques. Nous aurons une assemblée générale extraordinaire. Nous vous avions parlé, il y a quelques mois, alors que nous faisions une assemblée générale par papier uniquement, avec simplement des rapports principalement de comptes, que ce serait bien d'avoir un temps où on pourra parler plus du ministère. Et donc, c'est ce à quoi cette Assemblée générale sera dévolue le 12/12/2021. Nous aurons, entre autres aussi, l'opportunité d'avaliser la nomination de Timothée Liberec comme pasteur assistant, pasteur en second. Et donc, c'est aussi une bonne chose que nous voulons faire. C'est vrai qu'il travaille ici depuis tout un temps, mais on n'a jamais eu l'opportunité de reconnaître son appel et son service parmi nous. Une semaine plus tard, on aura beaucoup de joie aussi, puisque ce sera un dimanche de baptême, le 19. Il est encore temps, si vous sentez le Seigneur qui vous parle à ce sujet, voyez-moi d'urgence à la fin de la rencontre, et on peut encore tenter de programmer votre participation pour cette rencontre. Voilà, je crois que c'est un petit peu les annonces pour aujourd'hui. C'est un dimanche chouette.
moi, je vais m'asseoir là derrière et je vais jouir parce que, place à la jeunesse, Timothée va présider et Timothée, l'autre, nous apportera la parole. Alors, je crois que nous sommes heureux de pouvoir avoir toutes ces richesses dans notre Église. C'est un plaisir de pouvoir être ici avec vous, un plaisir de pouvoir se retrouver, mais surtout, un plaisir de pouvoir rechercher ensemble la face du Seigneur. S'il y a bien un plaisir suprême, c'est celui-là, celui de pouvoir aller devant notre Dieu. En Éphésiens 3, verset 8, Paul dit ceci. « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ, ces richesses infinies. Il a reçu cette grâce, ce cadeau de pouvoir annoncer les richesses infinies de Christ. On ne cessera jamais d'en découvrir plus sur notre Dieu, sur la profondeur de qui il est, sur la profondeur de son amour, la largeur de son œuvre, la largeur de toutes les attributs qu'il a, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, et pour autant que nous désirions le rechercher plus. Par ce premier chant, j'aimerais qu'on puisse simplement se rappeler qui est à la tête de notre vie. Simplement ensemble, prendre le temps de dire « Ben c'est Jésus, c'est Jésus qui est au centre ». Et ça, on veut le proclamer tout au long de ce culte, mais aussi tout au long de notre vie. Alors prenons ce chant, un chant qui est rythmé, un chant où on a envie de danser, pour simplement dire « Jésus, c'est toi ».
En tant que chrétien, c'est ce qu'on proclame, que Jésus-Christ est le nom le plus important dans notre vie, qu'il est le nom qui est marqué au fer rouge sur nous, celui qui nous couvre de toutes choses, le nom le plus important, celui de Christ. On proclame qu'il est facilement notre sauveur, un peu moins facilement notre Seigneur. Et pourtant, il nous demande d'être dans notre vie comme notre maître. Et est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce que dans ma vie, il est vraiment Seigneur et maître dans tous les domaines? Est-ce que réellement, à chaque instant, je peux dire oui, Jésus l'est? Est-ce qu'il est la chose principale ou est-ce qu'il y a une idole quelque part tapie dans le fond qui est là et qui prend la place du Seigneur? Qu'est-ce qui guide mes choix? Un truc intéressant à faire que j'aime régulièrement faire, c'est de regarder simplement dans mes dépenses. Où est-ce que je mets une grosse partie de mon argent? À quoi est-ce que je consacre ce que le Seigneur m'a donné? Est-ce que c'est dans des futilités? Est-ce que c'est dans de l'alcool, dans de la drogue, dans de la malbouffe? Ou est-ce que je consacre mon argent pour l'utiliser pour ce que le Seigneur me demande? Pour l'utiliser pour grandir dans le Seigneur? On peut faire la même chose avec notre temps. Où est-ce qu'on investit notre temps? Simplement regarder, est-ce qu'il y a une idole dans ma vie qui est fort présente? Est-ce que quand je regarde à tout ça, je peux voir qu'il y a peut-être quelque chose qui a pris la place de Dieu? Et c'est important de pouvoir faire ça ensemble. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie qu'on puisse faire. Qu'aujourd'hui, on puisse repartir avec une chaîne en moins, avec une idole abattue. Et qu'ensemble, on puisse dire, ben, Seigneur, tu es plus le maître de ma vie aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Ça, c'est ce que j'ai envie qu'on puisse faire. J'ai envie qu'on puisse proclamer ensemble que Jésus est véritablement mon berger. Amen. Je me manque.
Marche devant nous. Il est là, ce Dieu si puissant, tellement grand, qui pourtant prend le temps d'être devant chacun d'entre nous, de nous conseiller chacun d'entre nous. Que c'est merveilleux. Ensemble, comme le psalmiste, je nous invite à dire ces choses dans notre cœur. Au psaume 139, on peut lire ceci. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. S'il y a une chose qui vaut la peine d'être vécue, c'est une marche avec le Seigneur. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Marcher sur la voie que le Seigneur met devant nous. Par les trois chants qui vont suivre, on va simplement passer du temps à être avec notre Dieu. D'abord, on va prendre le temps et demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur, que nous puissions être attentifs à ce qu'il voudrait nous dire, qu'on puisse même entendre les pans de sa robe quand il entre dans une pièce. À ce point-là, être attentif à ce point-là. Ensuite, par le deuxième chant, on va demander au Seigneur de nous sonder. On lui a demandé d'être attentif, et puis on va lui demander de nous révéler ce qui pourrait être un obstacle dans notre marche avec lui. Et puis après, on va simplement lui demander d'enlever ces choses-là, de nous purifier tout simplement, de pouvoir marcher un peu plus avec lui, un peu plus loin. Un peu plus longtemps. Je nous invite à prendre ce temps dans ces trois chants, simplement être devant notre Dieu, tout simplement. Chante ses louanges, chante ses louanges.
et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde, regarde si je suis. Loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je thank you.
être saint. Durant la semaine, avec un ami qui est présent dans la salle, il se reconnaîtra. On échangeait quelques messages et on se disait justement que Dieu avait fait vraiment de grandes choses pour nous rendre saints, pour nous permettre d'avoir cette voie dans laquelle il veut nous rendre purs pour que nous puissions entrer dans sa présence. C'était une digression, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Et si vous le permettez, j'aimerais bien introduire avec quelques petites interpellations. Parce que l'histoire nous montre que l'homme n'est pas juste. L'homme n'est pas juste. Et il a utilisé l'homme, la Bible, souvent, pour se justifier, pour justifier ses odieux faits. Pensez à 1 Pierre 3:1. Femme, soyez soumise. Comme si Dieu avait jamais demandé à l'homme de soumettre la femme comme il dompterait un lion. Esclave, soumettez-vous. Comme si Dieu n'avait jamais encouragé l'homme à soumettre l'homme. Le texte qui nous occupe aujourd'hui peut encore être mal compris parfois. Les conséquences ne sont pas aussi graves que l'esclavage. Mais, comme une formule mathématique qu'on apprendrait avec une erreur dedans, le résultat final serait erroné. De la même manière, si on comprend mal, si on ne fait pas l'effort de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole, on peut passer à côté de la réponse que le texte biblique voudrait que nous ayons. Si je comprends mal quelque chose, je vais louper le coche, je vais rater la cible. Un peu comme si je suis myope, je retire mes lunettes pour lancer une flèche. À tous les coups, je rate la cible. C'est un peu pareil. Avec la parole de Dieu, il faut prendre le temps. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, c'est qu'on a quelque chose de plus à travailler chez nous. Permettez-moi, par la grâce de Dieu aujourd'hui, de vous partager ce texte que j'ai à cœur. J'avais déjà commencé en fait en juillet la première partie de ce chapitre et je poursuis aujourd'hui. Mesdames, je vous lance une invitation. Et messieurs aussi, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Mesdames, aujourd'hui, que vous soyez jeunes ou expérimentés, que vous soyez mariés ou pas encore, s'il vous plaît, prêtez attention. Et messieurs, peu importe la longueur de votre moustache, la densité de vos cheveux ou leur absence même, soyez à l'écoute. Je nous invite tous à nous préparer comme des terrains. On a tous deux terrains au moins, celui du cœur et celui de l'esprit, de l'intelligence. Et je vous propose de l'ouvrir d'abord par la prière et ensuite par un survol très court de ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour ensuite entrer dans le vif du sujet, pour attaquer la semence, recevoir cette semence qui est la parole de Dieu. Alors je vais d'abord prier courtement et ensuite on fera un rapide survol du livre des Proverbes. Seigneur, on veut te demander aujourd'hui d'être présent et de, dans chacun de nous, Seigneur, de mettre nos terrains en friche, que ce soit nos cœurs, que ce soit nos esprits, que tu puisses travailler dedans et, Seigneur, que tu puisses y faire ton œuvre, tout simplement, en ton nom tout-puissant. Amen. Souvenez-vous, je sais que parfois la mémoire peut être courte, en juillet, on avait parlé ensemble, ou plutôt je vous avais présenté Proverbe 31, versets 1 à 9. Parole du roi Lémuel, l'enseignement qu'il avait reçu de sa mère. Le livre des Proverbes était programmé, je vous le disais, par un verset, chapitre 1, verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Ça, c'est le verset qui programme tout le livre des Proverbes. Et le livre va poursuivre trois buts. Le premier, c'est d'instruire le lecteur. Il veut l'instruire dans tous les domaines de sa vie. Le couple, la famille, la politique, le travail, l'instruire pour qu'il ne rate pas sa vie. Plein de conseils pour maximiser ses chances. On ne peut pas tout à fait certain, mais pour maximiser ses chances de réussir. Ensuite, il présente l'art de vivre selon Dieu, d'une manière pratique. Il ne s'agit pas d'un code moral observé comme on suivrait le code de la route, mais plutôt une série de conseils qu'on peut pratiquer. Et enfin, troisième but, c'est d'enraciner nos vies dans des valeurs qui sont divines. Pas les nôtres, pas celles du monde, celles de Dieu. Et pour décrire ces trois buts, l'auteur, ou plutôt les auteurs du livre des Proverbes, forment un discours avec des images, des personnifications. Des images comme, vous avez des enfants, ils viennent vous voir, « Maman, comment on fait les bébés ?» À l'âge où ils ont, vous employez des images. C'est sûr. Et là, il va faire pareil, il va utiliser des images. Il va prendre les traits de deux personnages, le fou ou l'insensé et le sage, pour lui expliquer les choses. Et tout ce discours père-fils nous décrit à la fois ces personnages, mais aussi différentes femmes. Pas des vraies femmes, elles n'ont pas forcément existé, mais sous les traits d'une femme qui est tantôt adultère, tantôt étrangère, tantôt prostituée, tantôt sagesse,
On nous décrit la vie, comment l'homme est corrompu, comment il s'est donné comme une femme adultère, comment il s'est prostitué. Je voudrais souligner que pour les versets 10 à 31, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, il s'agit d'un poème alphabétique. Poème, des vers, alphabétique parce que ça commence chaque fois par une lettre de l'alphabet. Pas le nôtre, l'alphabet hébreu. Et enfin, le contexte immédiat, versets 1 à 9 qu'on avait vu en juillet, Lémuel, qui communiquait l'enseignement qu'il a lui-même reçu de sa mère. Et cet enseignement avait un but, ou plutôt avait trois buts, mais le but principal, c'était de faire de lui un roi digne, compétent et reconnu pour sa vertu. Et tout ça par amour. C'est aussi par amour que, de ma plus belle voix, je vais vous lire le passage qui va nous occuper aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir votre Bible si vous l'avez. Vous n'êtes pas obligé de suivre à l'écran, même si vous le pouvez. Mais si je dis une bêtise, c'est plus facile de voir dans votre Bible qu'ici. Je laisse le temps de chercher. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Je suis conscient que ça peut être un peu périlleux pour un homme de se lancer dans un texte pareil. Pourtant, Dieu l'a mis dans sa Bible. Il n'y a pas de cailloux à l'entrée, mais si vous voulez me lapider, venez plutôt me voir. J'espère que ce ne sera pas le cas. Il serait facile de tomber dans un piège, le piège de faire de ce passage une liste de critères à remplir pour un modèle de bonne chrétienne, de bonne femme, de bonne épouse. Il faut admettre qu'il y a un peu de vrai. Il n'y a pas de mal à vouloir ressembler à cette femme. A contrario, personne ne voudrait d'une femme comme celle-ci. Ceux qui ont la référence, il s'agit de Dolores Ombrage, dans la saga Harry Potter, c'est la pire femme possible sur Terre. Personne ne voudrait habiter avec elle. Elle est méchante, elle est manipulatrice, elle est vicieuse. Si vous êtes plus âgé, imaginez Madame Olson, mais en pire. Voilà. Par contre, tout le monde voudrait d'une femme comme celle-ci. Ah. Elle est courageuse, elle est aimante, elle est douce, mais pas forcément délicate. Les portières de la voiture, vous le direz. Certains diront qu'il est préférable de se centrer sur Christ. Je veux me conformer à Christ parce que finalement, c'est le modèle absolu de perfection pour les hommes et pour les femmes. Pourquoi vais-je m'attarder sur un chapitre de la Bible alors que, si je me centre sur Christ, je pourrais certainement accomplir tout l'enseignement de la Bible, y compris Proverbe 31, sur lequel finalement, je n'ai pas besoin de perdre trop de temps. À cela, je pourrais répondre simplement que ce chapitre fait partie de la parole de Dieu et qu'à ce titre, il recèle certainement des pépites, comme dirait mon homonyme que vous avez vu précédemment, des pépites. Et ces pépites, elles sont sans doute nécessaires pour nous aujourd'hui, pour être repris, édifiés, enseignés, encouragés. Si ce chapitre existe, c'est qu'il a des choses à nous dire. Dieu l'a préservé pour cela. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer trois lectures, trois manières supplémentaires de lire ce texte.
une première, une seconde et une dernière un peu différente. Première lecture qu'on pourrait faire. Une femme vaillante, elle travaille. Elle fait de ses mains la laine, elle coud les habits, elle fait des couvertures, des ceintures, et tout ça sans se plaindre, sans procrastiner, d'une main joyeuse, nous dit le texte. Deuxièmement, elle se donne à fond. Elle n'hésite pas à aller loin pour disposer chez elle des meilleurs mets, bio et locales. Elle se lève de bonne heure, sans râler, sans doute peut-être même déjà coiffée, apprêtée, un peu comme dans les films américains, et ses enfants ne la mettent pas en retard. Même la nuit, elle bosse. Elle n'est pas faite comme vous, hein, mesdames, je suis désolé. Cette femme vaillante, elle fait preuve aussi d'une bonne gestion. Elle donne des ordres à ses servantes, de la nourriture à sa famille, elle gère ses moyens financiers avec panache. Chez elle, pas de désordre, tout roule comme elle veut. Et cette femme, quatrièmement, elle donne d'elle-même, elle s'occupe des pauvres et elle instruit toute sa maisonnée. Voilà, je m'arrête ici, bon dimanche à chacun. Si je m'arrête ici, non seulement je serai incomplet parce que ben, je vous ai dit, il y a autre chose, mais en plus, j'aurais certainement laissé quelques frustrations, peut-être même que j'aurais réveillé quelques blessures. On lit ce passage et on peut que constater que cette femme est courageuse, infatigable, travailleuse, mais il s'agit d'une description poétique, d'un idéal que les hommes devraient rechercher. Cet idéal féminin que je vous ai présenté à l'instant, il est incomplet. Il est incomplet parce que je vous ai uniquement dit ce qu'elle fait. Si je m'arrête là, je serai responsable d'un gros problème. Le problème de vous donner une compréhension injuste, incomplète, et qui porterait peut-être quelques-uns d'entre nous, des garçons comme des filles, à rechercher à être ou à rechercher à avoir, pour femme, pour épouse, une femme servile, soumise, qui travaille en taisant sa fatigue. Parce qu'après tout, elle est à la maison. Et si elle travaille, son travail est moins fatigant que le mien. Pensez que je caricature. 43% des femmes ont subi une forme de violence psychologique ou des comportements abusifs de la part d'un partenaire. Amnesty International a fait une étude auprès de 42 000 femmes dans 28 États membres de l'Union européenne. Et sur ces mêmes femmes, 31% ont subi des violences physiques à partir de l'âge de 15 ans. Un autre chiffre pour une devinette, 21 300. Qu'est-ce que ça peut être? Quelqu'un a une idée? J'imagine que non, pas une réponse, je vais vous le dire. 21 300, c'est le nombre de divorces en Belgique en 2020. Alors, réjouissons-nous, c'est moins qu'en 2019. Mais c'est quand même beaucoup. Je n'ai pas été voir le nombre de mariages, c'était un peu tendu en 2020 pour se marier. Quel rapport avec Proverbe 31, me direz-vous? Eh bien, imaginez, on peut mettre la slide suivante, merci. Ça, c'est Constance et moi. Bon, d'accord, il a de plus longs cheveux, il est peut-être plus beau, mais Constance est plus belle que cette petite fille, je dois le dire. Imaginez que je dise à Constance, Constance, à tes 18 ans, tu auras une Ferrari. Une Ferrari, c'est rouge. Sinon, ce n'est pas une Ferrari, c'est non. Une Ferrari, c'est rouge. Des sièges en cuir, cuir couleur crème, surpiqûre marron doré, un tableau de bord en noyer et un moteur Fiat 1 litre essence. Et si je fais ça, j'aurais présenté à ma fille un idéal de l'ordre de l'irréel, de l'inatteignable. Et probablement que chez elle, je l'aurais contraint plus tard. Le jour où elle n'aura pas cette fameuse Ferrari avec ce superbe moteur à 1 litre essence de chez Fiat, à être frustrée. Parce que le portrait sera incomplet. Quelque part, je lui aurais menti. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas ce qu'on veut? Quand on n'est pas aussi bien que l'image qu'on nous a vendue? On se compare à autrui. Et autrui, il est toujours mieux que nous. Autrui, il a toujours mieux que ce que nous avons. Si je fais cela à un jeune homme, je déforme ses attentes et l'image qu'il a de la femme. Par conséquent, si du couple, je lui présente un portrait incomplet qui est centré sur ce que la femme devrait faire et non même pas sur ce qu'elle est. Alors je ne dis pas qu'un mauvais enseignement de ce chapitre peut causer directement des divorces ou des violences conjugales. Mais ça m'interpelle, parce qu'on le sait depuis Genèse 3, nos rapports hommes-femmes sont ambigus, mauvais. On a une mauvaise image du sexe opposé. C'est pourquoi, en tant qu'Église, en tant que chrétien, il nous faut redoubler d'attention, à la fois pour le bien-être et la bonne conduite de nos couples, mais aussi de nos familles et de nos églises. L'image que l'on donne à nos enfants du sexe opposé, du mariage, de la gestion des conflits, on pourrait continuer la liste, vous avez compris l'idée, c'est important. Si je me limite à cette compréhension de ce qu'elle fait, cette femme
vertueuse, vaillante, alors on passe à côté de l'essentiel, et l'essentiel, c'est ce qu'elle est. Deuxième lecture. Vous voulez savoir si vous avez une femme vertueuse, une femme de valeur à la maison? Prenez votre téléphone, 10-31, valeur, 31 euros par SMS envoyé et reçu. Ça ne marche pas comme ça, non. La femme vaillante qui nous est décrite dans ce texte, elle est premièrement partenaire de son mari. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui, même pas pour elle. Dieu est bon, hein. C'est tout bénéfice pour lui. Il y a plusieurs expressions tout au long de ce chapitre qui nous permettent de conclure que le mariage de cette femme, il est vécu pleinement dans l'amour, le plus beau et le plus épanouissant. Au verset 11 que je vous ai lu, on peut comprendre que son mari, il sait s'en remettre à elle. Il a confiance en elle. Il ne craint pas de sa part de mauvaises surprises. Il tire un bénéfice qui est vraiment conséquent de la confiance qu'il peut placer en elle. Et remarquez comme tout au long du texte, il est absent, sauf pour témoigner sa reconnaissance. Il est soutenu de manière active par une épouse qui lui permet de s'affairer là où il doit être. Ce n'est pas écrit, mais c'est évident qu'une telle femme sait aussi quelle place occupe l'homme au sein de la maison. Il est le chef du foyer et ce n'est pas difficile pour elle de lui être soumise parce qu'il ne s'agit pas d'une soumission opérée, active, misogyne, machiste, mais d'une soumission passive dont l'amour qui les unit les uns les autres, enfin, les uns les autres, l'un à l'autre plutôt. Un couple, c'est deux. Si vous voulez lire Éphésiens 5 et 22 et suivant, faites-le. La soumission qu'elle vit, c'est un joug qui est léger, c'est certain. Cette femme est partenaire de son mari et elle est aussi un soleil dans sa maison. Le texte illustre avec beaucoup de détails ses tâches ménagères qui sont parfois, souvent, ingrates. Quel plus bel éloge pour toutes ces tâches accomplies avec sagesse au quotidien par nos mamans, y compris celles qui font une carrière au foyer. Elles s'affairent jour et nuit pour leurs enfants. Ce n'est pas le cas. Moi, je vous confie franchement que c'est Pauline qui se lève plus souvent pour Constance que moi. Et ça a sans doute été le cas pour vous aussi. La condition sociale de ma maman, c'était d'être femme au foyer. La condition sociale de cette femme de valeur n'est pas la même. Mais est-ce que pour autant, ça l'exclut? Je ne pense pas. Elle a des servantes, c'est vrai, elle a des moyens financiers. Du coup, elle part en vacances toute l'année. Ah ben non. Non, c'est pas ça. Elle part pas en vacances. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je suis dans le mauvais sens. Pardon. Tout ce qu'elle peut produire de ses mains, toutes les richesses qu'elle dégage, elle l'emploie pour les pauvres, pour que ses enfants n'aient pas froid. Et quelles sont les réactions? Quelles sont les réactions des fils et de son mari? Cette femme vaillante, elle est source de bénédiction. Verset 28-29. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. Non seulement ce mari tire bénéfice de la confiance qu'il témoigne à sa femme, et en plus il jouit de la réputation de son épouse. Cela contribue à son renom dans la société dans laquelle il s'investit déjà. Et on pourrait dire dans l'église dans laquelle il s'investit déjà, dans la famille, dans la communauté dans laquelle il s'investit déjà. Tout ce que fait cette femme est désintéressé. Et comme on peut reconnaître un arbre à ses fruits, on peut constater que cette femme a la foi. Et cette foi s'exprime avec fidélité dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'elle les pratique. Jacques nous dit que la bonne religion, là, c'est de s'occuper des pauvres, de l'orphelin, de la veuve. C'est ce qu'elle fait. Ce n'est pas écrit textuellement, mais j'ose avancer que ce raisonnement est biblique. Une femme vaillante, partenaire de son mari, soleil dans sa maison, source de bénédiction. Et enfin, et surtout, elle connaît son Dieu. Elle connaît son Dieu. Et pour ça, je voudrais soulever deux expressions du texte et peut-être les éclaircir à la lumière d'autres textes. Au verset 18, on peut lire « Sa lampe ne s'éteint pas ». On peut penser à la parabole des dix vierges en Matthieu 25. Le royaume de Dieu des cieux ressemble à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Elle est sage, prévoyante, elle pense à demain, elle anticipe, un peu comme ces 5 vierges qui avaient pris leur huile pour partir. Pensez aujourd'hui à Koh-Lanta. Quand une personne est éliminée et qu'elle n'a plus la faveur des autres,
quand il a trop magouillé pour sauver sa place, sa lampe s'éteint. Il n'a plus la faveur des autres. La deuxième expression que je voudrais soulever au verset 26, elle enseigne avec sagesse et bonté. Pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'elle réponde à une série de critères. Si on lit Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, « De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté, se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » On voit ici qu'il y a une relation directe entre l'attitude cohérente avec l'identité, femme âgée, chrétienne, représente Dieu, et l'enjeu de leur réputation. Parce qu'elles ne sont ni médisantes, ni esclaves de la boisson, elles peuvent enseigner ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est, versets 4 à 5, d'enseigner aux jeunes femmes tout ce qui est nécessaire pour leur vie de couple, pour qu'elles vivent correctement, qu'elles soient épanouies. Et tout cela, dans un seul but, que Dieu ne soit pas calomnié. La réputation de cette femme de valeur, elle est importante. Et on voit au travers du texte qu'elle est bien réputée. On chante ses louanges aux portes de la ville. Même les anciens reconnaissent chez elle ses qualités. On voit une boucle se boucler. Proverbe 1, 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Proverbe 31, 30. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. À travers les deux premières lectures, on a pu observer à la fois ce qu'elle fait, cette femme de valeur, mais aussi ce qu'elle est. Et j'ai envie de vous laisser une troisième lecture plutôt comme une suggestion, une méditation que vous pourriez faire. Pour cela, je vais citer un commentaire. C'est tellement bien écrit que je ne pouvais pas le reformuler. Vous pouvez le suivre ici. Ce qui nous frappe en outre dans ces versets, c'est que, loin de faire suite aux paroles de Lémuel, ils en forment le pendant. Les versets 10 à 31 sont le pendant des paroles de Lémuel. Ils placent en regard, en vis-à-vis du roi, le tableau de la femme vertueuse qui, par sa conduite noble et sage, serait bien digne d'être appelée sa compagne. De plus, nous trouvons dans le tableau de la femme vertueuse une digne terminaison de tout le livre des Proverbes. Elle représente la sagesse, reproduite en pratique dans les mille détails des occupations de la vie journalière et surtout dans les relations de la vie familiale. Cette sagesse se traduit par des vertus diverses, dont tour à tour, chaque verset nous déroule la nomenclature. C'est là que ça devient intéressant. Le portrait de la femme vertueuse nous offre en même temps le type de l'Israël restauré de la fin, rendu digne du mari Christ auquel il sera associé. Et si cette semaine, nous prenions le temps de relire ce passage et d'apprécier cette perspective ? On aura bien en tête, vous pourrez même revoir la vidéo de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle est, cette femme vertueuse. Mais la perspective de l'unicité à l'Église, épouse du Christ, apprécions au travers de toutes ces vertus, celles dont Dieu nous a gracieusement fait cadeau, et celles qu'il nous faudrait encore demander, travailler à acquérir. Et cela, afin de lui demander en prière, de nous rendre chaque jour plus dignes encore de son Fils, dans la perspective du retour de Christ. Pour conclure, j'aimerais vous donner quelques pistes pratiques. Mesdames, je commence par vous. 1 Corinthiens 11, 7 nous dit que vous êtes la gloire de vos maris. Alors puissiez-vous continuer à cultiver cette sagesse que Dieu donne par son Saint-Esprit. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions ne pas permettre que ce passage soit utilisé pour dire à des jeunes filles ce qu'elles devraient être uniquement dans ce qu'elles font, mais plutôt de valoriser ce passage pour ce qu'il est, la parole de Dieu. J'ai rencontré deux femmes avec qui on parlait de ce passage et il y en a une qui me disait « Moi, je ne me retrouve pas dedans. Je ne me suis jamais retrouvé dedans. Ça fait 40 ans que je viens à l'église. Jamais je me suis retrouvé là-dedans. Moi, je ne suis pas comme ça. » J'ai compris en discutant avec elle qu'on avait fait un portrait robot très moralisateur, très inquisiteur de cette femme vertueuse. Il faut enseigner à nos fils et à nos filles la bonté, tout simplement.
recherchons à nourrir notre relation avec Dieu pour que vous soyez des femmes vaillantes et pour que nous soyons en vis-à-vis des époux méritants. Messieurs, témoignez de la reconnaissance envers vos femmes. Ce n'est pas très compliqué. Comme pour tout le monde, on doit faire l'effort. Quand on est fatigué, quand on a des longues journées, il faut pouvoir le faire quand même. On peut aussi continuer à être aussi vaillant qu'elles. Elles ont dû l'enfantement, elles s'inquiètent constamment pour le bien-être de la maison, et je sais que c'est votre cas aussi. Et considérons nos différences hommes-femmes pour ce qu'elles sont. Tantôt une bénédiction, tantôt une épreuve pour performer, devenir plus proche de Dieu. Prenons garde à ne pas blesser nos célibataires, parce qu'une femme vaillante n'est pas forcément mariée. Voyez Ruth, par exemple. Dans l'ordre de la Bible hébraïque, Ruth suit directement le livre des Proverbes. Et elle aussi est appelée femme de valeur. Et pourtant, elle est veuve. Elle va glaner dans les champs. Elle est bien loin de la condition de cette femme de Proverbe 31. Femme de valeur, c'est un qualificatif qui lui est donné, et non pas une description type, un cadre dans lequel il faudrait rentrer pour être appelée femme de valeur. Et c'est sans doute ça qu'il faut le plus éviter comme piège. Enfin, aimons-nous comme Dieu nous a aimés et chérissons nos mariages parce qu'ils sont la base de notre Église. Bon dimanche à chacun. Merci à Tim de nous avoir rappelé cette bénédiction que d'avoir des femmes de valeur autour de nous. Et il y en a énormément ici. Il y en a énormément et c'est une joie, un vrai bonheur de pouvoir être à vos côtés. Notre Seigneur, c'est un Dieu extraordinaire qui est capable de prendre des hommes, des femmes, ô combien laids dans leur péché, et en faire des hommes et des femmes de valeur. Ça, c'est un miracle sans nom. Il est capable de faire ça parce que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, que nous sommes pourris dans notre péché. Et un jour, nous avons vu la seule solution possible à ce péché. Et ça, c'est Jésus-Christ. Vous voulez devenir une femme de valeur, comme Tim nous l'a dit? Vous voulez devenir un homme de valeur? Il y a une solution, et celle-là, elle commence par Jésus-Christ. Et ça, c'est important de passer par lui. Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix pour nous, lui le seul qui pouvait donner sa vie pour nous. C'est par là que commence tout le changement. Alors ensemble, prenons le temps de simplement dire à Jésus-Christ, « Tu me suffis amplement. » Prenons ce chant pour dire simplement, « Si tout m'était enlevé, Christ lui reste, et ça me suffit. »
quelque chose qu'on aime à dire, quelque chose qu'on aime à chanter, mais ô combien difficile à vivre. Ô combien c'est difficile, au jour le jour, de dire « Christ me suffit ». Quand je n'ai pas la santé, quand je n'ai pas la famille, quand je n'ai pas le travail, de dire « Christ me suffit ». Ô combien c'est difficile, ô combien c'est douloureux. Et je dirais même, en reprenant les paroles de Jésus qui sont dans un autre contexte, Jésus nous parle de la vie éternelle, mais ici je les reprends, il nous dit « Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Si je veux pouvoir dire « Christ me suffit », c'est parce que Christ prend en moi toute la place, parce que je lui donne les rênes de ma vie, parce que, comme Paul, j'ai envie de pouvoir dire « Ta grâce me suffit », de dire « Oui, par Christ, je peux me satisfaire de toute chose, parce qu'il est en moi, parce qu'il tient les rênes de ma vie, parce qu'il est à la première place, parce qu'il est le roi de mon cœur. » Si je veux pouvoir dire « Christ me suffit », il faut que Christ soit le roi de mon cœur. Et ensemble, on va prendre ce chant pour proclamer que nous désirons que Christ puisse nous suffire. Et pour ça, nous voulons lui donner tout, toute notre vie, qu'elle soit entièrement à lui. Qu'ensemble, on puisse dire « Tu es le roi de mon cœur ». Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Non, c'est Christ, le roi de mon cœur.
Ce roi extraordinaire, ce roi qu'on peut facilement chanter et dire « il est bon », mais il est tellement plus que cela. Il est tellement plus. Un Dieu fantastique, un Dieu de gloire, un Dieu extraordinaire, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui pourvoit, etc. Un Dieu... Quel grand Dieu nous avons. Et ce Dieu, vous savez ce qu'il désire par-dessus tout ? C'est être le roi de notre cœur. Combien c'est glorieux. Vous imaginez qu'un Dieu aussi grand, aussi puissant, a le désir d'être dans la vie de pécheurs tels que nous. Il a envie de voir à chaque instant où nous allons tomber et être là pour nous ramasser. Il a envie d'essuyer chacune de nos larmes. Ce Dieu tellement puissant qui a créé toutes choses. Regardez cet univers, ô combien merveilleux, ô combien glorieux. Et pourtant, il s'en fait pour chacune de ces petites créatures que nous sommes. Vous imaginez à quel point c'est glorieux, à quel point notre Dieu est grand. C'est merveilleux quand même de pouvoir adorer un Dieu tel que lui. Vous ne trouvez pas ? Un Dieu tellement grand. Et encore plus, il ne nous dit pas juste « vous allez avoir une meilleure vie ici-bas », non. Il nous dit « oui, vous allez avoir une vie ô combien glorieuse avec moi ici-bas ». Mais vous n'imaginez même pas à quel point ça va être glorieux quand je vais venir vous chercher et qu'ensemble, nous vivrons l'éternité. Imaginez un instant les bénédictions du Seigneur, à quel point elles nous font avoir des étoiles dans les yeux. Mais imaginez à quel point ça va être glorieux de voir Dieu face à face. Ses œuvres ne sont que le pâle reflet de qui il est. Imaginez à quel point ça va être glorieux d'être devant lui. Ça va être quelque chose. Et ensemble, on va prendre ce chant pour dire au Seigneur qu'on a envie qu'il revienne, que c'est notre désir en tant qu'Église d'un jour être admiratif devant sa face, tout simplement. Elle me parlait de quelque chose où elle avait dû apprendre à lâcher prise et à laisser Dieu être pleinement aux commandes. Et chacun d'entre nous, c'est ce que le Seigneur nous demande à faire. Je lui dis, alors que les musiciens répétaient, ils me sonnent et ils me demandent un petit changement. Et ils me disent, mais tu sais, voilà, pour que tu acceptes le changement, on accepte même de faire Maranatha 3 fois dimanche. Et j'ai dit, ah mais, vous pensez que vous allez m'avoir aussi facilement ? Quand je viens de le dire, c'est un Dieu qui nous demande souvent de lâcher prise. Et ensemble, on va finir sur une note où on met Jésus à la première place.
Et ils vont reprendre le nom de Jésus. Et ils vont lâcher prise et reprendre ce chant. Alors ensemble, on va finir sur une note de joie. On va ensemble se lever, danser, proclamer à haute voix. J'ai même envie de vous dire retirez les masques, mais je me ferai lapider pour ça, donc je ne vais pas le dire. Alors ensemble, prenons ce chant et ensemble, bouillonnons de joie pour notre Dieu. Sur mon âme, entends-nous sur notre ensemble.
Amen, ô combien notre Dieu est glorieux. Ça va être le temps pour nous nous séparer. Hein. Ah oui, je sais bien. On leur ferait bien 2-3 coups, mais bon, ils vont peut-être pas apprécier, donc on va les laisser un petit peu tranquilles. J'ai 2 annonces à vous faire avant de nous libérer. Le groupe Oasis a préparé des cookies qui nous permettent d'acheter. Donc si on le souhaite, on peut aller acheter quelques cookies pour soutenir le ministère d'Oasis. J'aimerais bien pouvoir voir 5 minutes ceux qui partiront au Rwanda, en tout cas ceux qui sont présents, car j'ai 2-3 petites choses à vous demander. Donc simplement, on se voit juste quand le culte est fini, ici 5 minutes. Et pour le reste, j'ai envie de nous bénir de toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Puissions-nous puiser dans toutes les richesses de la gloire infinie de notre Dieu. Amen. Amen. Amen.